Bienvenue dans le cadre grandiose du versant italien du Mont Blanc à Courmayeur pour la troisième étape du Swatch Freeride World Tour 2012. Les riders participant à cette compétition s'affronteront sur les plus belles pentes de la planète lors de 6 événements, au terme desquels sera remis la couronne mondiale. Tout a commencé à Revelstoke, en Colombie-Britannique, où l'Américain Ralph Backstrom remporte la victoire en snowboard après un run impressionnant. Collé à ses basques, on retrouve le Français Jonathan Charlet en seconde position. La bataille entre ces deux gentlemen s'est ensuite poursuivie à Chamonix, Charlet s'adjugeant cette fois-ci la victoire à domicile. Ces deux riders sont à présent clairement installés en tête du classement mondial en snowboard. Dans la catégorie ski, Aurélien Ducrot, le champion du monde en titre, se retrouve en mauvaise posture dès le début de la saison. Après deux chutes consécutives, il faudra qu'il finisse les trois épreuves restantes sur ses skis s'il veut parvenir jusqu'en finale. A l'extrême inverse, on retrouve l'Américain Oakley Whitehallen. Arrivé sur le tour cette saison, ses lignes fluides lui ont permis de signer deux podiums en autant de compétitions. Whitehallen arrive à Courmayeur avec le dossard rouge de leader sur les épaules. Enfin, le Néo-Zélandais Sam Smoothie, qui a surpris tout le monde, y compris lui-même, en remportant l'épreuve de Chamonix grâce à un run fluide et ultra rapide. Avec les principaux favoris ne parvenant toujours pas à s'imposer cette saison et de nouveaux arrivants profitant pleinement de cette opportunité, il reste encore plein de surprises en stock pour la troisième étape du Swatch Freeride World Tour 2012. Sur les hauteurs du versant italien du Mont Blanc, les riders se sont rassemblés au sommet des pentes du Mont Fortin, lieu choisi pour la compétition. Cette étape est devenue un classique grâce à la qualité de ses faces. La physionomie de cette zone des Alpes permet en effet de proposer aux riders plusieurs départs différents, d'où ces derniers peuvent choisir de nombreuses lignes. La porte de départ numéro 2 est pour les skieurs qui s'élanceront à droite ou à gauche. Tout le monde commence ici, ok? Le jugement commencera dès que vous vous engagerez dans la pente. Donc, ça ne fait rien si vous prenez... Je suis enthousiasmé par ce spot. 4 options d'entrée pour une infinité de lignes correspondant toutes à des styles de rails différents. Ça va permettre aux concurrents d'aborder cette face sous de nombreux angles. Le niveau des compétitions de freeride est en constante évolution, rendant le système de notation toujours plus complexe. Chaque détail est observé à la loupe, ce qui signifie que même la plus petite des erreurs peut coûter la victoire. Les juges examinent en effet une large variété de critères durant un run de freeride. Dans l'optique d'avoir une explication, tournons-nous à présent vers Bertie de Nervo, l'éminence grise à la base des règles de notation, par ailleurs chef des juges sur le Swatch Freeride World Tour. Alors, il y a des critères de jugement qui sont liés à ce qui se passe sur la neige, donc quand le skieur est en contact avec la neige. On parle de son choix d'utilisation de la montagne, est-ce qu'il va vraiment skier du haut en bas en utilisant tout ce qu'il va trouver sur son parcours ou est-ce qu'il va rater certains endroits intéressants de la montagne par rapport à d'autres. Après, il y a un critère de rapidité qui n'est pas un chronomètre mais qui est plutôt une vitesse relative par rapport à l'endroit où il est, par rapport à la pente, est-ce qu'il est vite ou est-ce qu'il n'est pas vite. Il y a la fluidité du run, est-ce qu'il s'arrête, est-ce qu'apparemment il sait où il est, ou est-ce qu'il est perdu, est-ce qu'il hésite. Donc ça c'est les critères de jugement qui sont vraiment liés à ce qui se passe en contact avec la neige. Et après il y a clairement les sauts qui font une énorme différence. Donc c'est le nombre de sauts, le choix des sauts, est-ce que c'était la hauteur, le style et le contrôle en l'air, et surtout après le contrôle à la réception. Clairement, on va demander aux athlètes de nous montrer qu'ils contrôlent ce qu'ils font. Quelqu'un qui
par chance, ne tombe pas, mais qui était complètement hors contrôle pendant tout son run, va être pénalisé. Donc la prise de risque va être bien payée dans la mesure où on sent qu'elle est maîtrisée et qu'elle est contrôlée. Donc c'est clair que la difficulté pour les athlètes, c'est de choisir un run qui est suffisamment intéressant et impressionnant, mais qu'ils savent qu'ils peuvent contrôler. Et c'est là le jeu. Et donc comme ces critères ne peuvent pas être mesurés et quantifiés de manière précise, c'est vraiment un sentiment, une impression générale, c'est très important pour nous d'aller comparer un run avec un autre, donc d'aller relire nos commentaires pour pouvoir construire ce classement. Donc les points sont dans l'absolu moins importants que le classement. Maintenant il arrive que dans certaines compétitions on a des manches qui sont très 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 serrées. À ce moment-là, c'est vraiment des toutes petites choses qui font les différences, comme c'était le cas en finale en 2010 entre Kai Zachrisson et Aurélien Ducrot. Lors de cette finale d'anthologie, Zachrisson et Ducrot ont skié exactement la même ligne. Le jugement s'est finalement réduit à qui des deux négocierait le mieux la dernière barre. Ducrot, sur le côté gauche, reprit le contrôle après que son dos ait touché la neige lors de sa réception à un backslap. Zachrisson de l'autre côté est parvenu à rester sur ses skis lors de l'atterrissage et à poursuivre sa route. Voilà le backslap de Ducrot à nouveau. Juste une fraction de seconde. Mais une fraction de seconde qui a suffi à lui coûter le titre, Aurélien Ducrot s'inclinant face à Zachrisson qui devenait le nouveau champion du monde. De plus en plus de riders qui rejoignent le Swatch Freeride World Tour sont issus d'une pratique freestyle du ski. Le champion du monde 2010, Candide Tovex, en est une parfaite illustration, capable de faire sauter les carcans du ski extrême traditionnel en y injectant des manœuvres audacieuses. Le jugement de l'impression générale laissé par les concurrents permet d'aborder la montagne avec sa propre façon de skier. Qu'elle soit basée sur une technique plus proche de l'alpinisme, du freestyle ou d'une combinaison des deux. Je ressens un potentiel d'expression illimité en montagne. C'est une journée magnifique qui commence sur le massif du Mont Blanc. Après une étape chamoignarde marquée par des épisodes venteux, le soleil et la neige fraîche sont accueillis comme une véritable bénédiction. Les riders cheminent au travers de cette magnifique vallée du versant italien du Mont Blanc en direction des lieux reculés d'où la compétition s'apprête à partir. Ils n'auront le temps d'effectuer qu'une ultime et brève reconnaissance lors de leur ascension des pentes du Mont Fortin. C'est l'une des pentes les plus courtes du circuit. Mais le tout est pimenté d'une large variété de lignes possibles. Avec 4 choix de départ différents, il va être intéressant de voir comment chaque concurrent interprétera la face et quelles de ses caractéristiques il choisira de rider. Max Zipser s'élancera en première position aujourd'hui. Le talentueux rider autrichien, qui a montré qu'il pouvait briller sur n'importe quelle étape du circuit, a manqué de consistance l'année dernière pour s'assurer d'une place parmi les tout meilleurs. A hérité d'une note de 8.4 de la part des juges. Voyons si ce sera suffisant pour rester en tête. Ça a été, la visibilité était meilleure qu'à Chamonix et la neige était excellente. Je suis content de mon run. Bon, j'ai quand même dû chuinter un petit goulet, j'ai décidé juste d'envoyer mon dernier saut, donc on verra comment ça se passe pour moi. Le champion du monde de snowboard 2011, Mike Tolderer, est à présent au départ.
Je reviens sur le Freeride World Tour cette année après avoir gagné le titre l'année dernière, donc j'ai pas de pression particulière. Si je réussis, tant mieux, sinon, comme à Chamonix, eh bien, c'est comme ça. L'année dernière, je pense que mon pic de forme a eu lieu pendant l'étape de Fierbrunn, mais c'est sûr que mon niveau de rail s'est amélioré ces dernières années. Tolderer n'a pas encore réussi à en tirer parti cette saison, mais voyons ce qu'il peut sortir de son chapeau aujourd'hui. Posant deux fois les fesses lors de son run, il pourra rajouter une nouvelle croix à la liste des mauvais jours de sa saison. Les affaires vont en revanche plutôt bien pour Jonathan Charlet, qui surfe sur la vague du succès depuis le début de l'année. Ouais, le fait d'avoir fait deux bons résultats en début de saison, c'est sûr que je suis beaucoup plus tranquille, quoi. Je suis plus serein, on va dire, à la compétition. Là, j'ai pas besoin forcément de faire un podium là pour être en finale et pour pouvoir continuer sur les autres compétitions, tout simplement. J'ai pris de l'expérience, ça c'est sûr, en deux ans. Et je ride plus tranquillement, quoi. Je ride plus tranquillement. Et je sais mieux ce que j'ai à faire. J'ai moins de pression au départ du fait d'avoir un peu plus l'habitude. Ça change aussi pas mal. Dépasser sa peur et découvrir ses limites, voilà de gros challenges pour les plus jeunes concurrents du circuit. Avec deux saisons au compteur, Charlet a désormais trouvé ses limites, mais il devra les repousser, c'est sûr, s'il ne veut pas rester dans le sillage de Backstrom. Charlet réalise un run propre, mais trop sur la réserve au goût des juges, qui ne lui accorderont qu'un score de 7,9. Charlet est peut-être plus relâché, mais il est en compétition directe avec un concurrent bien particulier pour le classement général, l'Américain Ralph Backstrom.